fois, j'ai été réveillée en pleine nuit par leur cri. Oui. Toi, tu vas nous fiche la paix. Qu'est-ce qu'il vient encore? Je m'embête. On t'a vendu des pois qu'on ne voulait pas cuire. Bon, vas-y bien, emblasé, je te prie, me fiche la paix. Tu as cru que c'était arrivé. Comment? Ouais, tu ne t'es pas aperçu que je me moquais de toi. J'avoue. Tu ne t'es pas rendu compte que je mystifiais ta candeur. Ma foi, non. D'ailleurs, tout ça, je sais de qui ça vient. Parce que ça vient de quelqu'un? Ça vient de ta mère. Ah, ça, c'est ta mère. Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? La voir. Que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la foque à la porte. Ah, je suis un monsieur qui a perdu goût. Je crois que s'il avait su ce qui allait se passer derrière la porte de cette maison, eh bien, il aurait vite fait demi-tour. C'est vous, l'un de moi, que j'ai rencontré l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir prendre de temps en temps une tasse de thé chez eux, me paraissent de fort aimables gens. Entre nous, madame et monsieur Boulingrin sont de fort aimables personnes. Je vous crois. Je leur ai parlé. Gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu popote. Un peu, beaucoup. Très bien. Ménage très uni, au surplus. Uni. Mais c'est au point que j'en suis parfois gênée. Jamais une discussion. Toujours du même avis. Deux tourtereaux, monsieur. Madame, monsieur Boulingrin, c'est bien votre service. Bonjour, monsieur Derriette. C'est fort aimable à vous d'être venu me voir. Vous tombez à propos. Comme Marie en carême. J'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Derriette. Madame? Non, moi! Non! N'écoutez pas, monsieur Derriette. Mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises? Oui, que des bêtises! Tu vas voir un coup tout à l'heure si je ne vais pas être à prendre la politesse avec une bonne paire de livres. Espèce de cru. Voyou! Si fait. Nous ne quitterons pas sans avoir bu un verre et choqué à notre amitié. Enlevez-moi! Vous dites? Je dis enlevez-moi! Par exemple, c'est le bouquet. Vous voulez que je vous enlève? Charmante soirée. Vous n'allez pas, monsieur Derriette. Vous allez accepter une coupe de champagne. Je crois que madame était encore amoureuse de son mari. Mais lui, il avait déjà la tête ailleurs. Mais il n'y a pas de mal à entrer chez sa petite femme, je pense. Si, il y a du mal. Ta petite femme. Alors, tu ne remarques rien? Non, quoi? De ce rébus? Il s'agit bien de ce rébus. Alors, tu ne remarques rien? D'abord, toi, tu ne remarques jamais rien. Eh bien, il est ignoble, ton conseil. Ce conseil de fille publique. Retourne à tes tripots, tricheur. À tes putains. Macron, sale Macron. Oh là là, la plus drôle dont je me souvienne, c'est celle du Gora. Sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau? La concierge. Peste, tu as de belles relations. Tu ne m'avais jamais dit ça. Ne taquine pas la concierge, Trognon, c'est une femme tout ce qu'il y a de plus bas. À preuve qu'elle m'a donné, devine quoi? Un Gora. On ne dit pas un petit Nangora. Tiens, pourquoi donc? Ah, parce que c'est du français de cuisine. Bah elle est bonne celle-là. Je dis comme tu m'as dit de le dire. Pas du tout, je proteste. Je t'ai dit de dire un Nangora, mais pas un petit Nangora. Je trouve ça épatant. N'est-ce pas? C'est simple, okay. Sans prétention. C'est facile à se rappeler. Ça fait rire le monde. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Mais je crois que pour un Tangora, le nom n'est pas mal trouvé. Hein. Un Tangora. Parfaitement. À bon entendeur, sans planquer, moi, du Tangora. Ce que j'ai entendu ce jour-là m'a montré que les femmes tenaient bien à leur mari. Mais m'a aussi convaincue que rien ne vaut les commérages pour oublier ses propres malheurs. Ma chère, je peux enfin me fastidier. Ce qui se passe, il se passe que mon mari me trompe. Si. Tu vas faire, mon petit chat. Si, je vais me suicider. Non.
avec nous. Cela te changera le cours des idées. D'idées? Mais je ne peux pas. Nous dînons chez les Brossard-Bourg. Oh, il faudra que ça sera charmant. On dansera. Jésus de petite maison, à Barbe, Jésus de petite maison.